Selma Regragui, native de la ville de Rabat. Je suis née le 24 novembre 1976. J'ai entamé avec mon mari et mes enfants le processus d'immigration en 2009 pour aboutir et pour être sélectionnée en 2010. Alors nous sommes arrivés en 28 juin 2010. Ça fait quand même 11 ans que nous sommes installés au Canada. Il n'y avait pas de motivation réelle. Nous avions une excellente situation au Maroc, mais nous avions tenté l'aventure. Nous voulions voir d'autres azimuts et l'immigration s'est faite. Pour ce qui est de mon domaine d'expertise ici au Canada, j'ai une agence de communication de CECOM qui se spécialise dans le consulting, le conseil en communication, le marketing, l'organisation d'événements corporatifs et culturels et aussi dans la production médiatique. On a découlé, et heureusement, la plateforme médiatique Positiva Morocco, qui est une plateforme qui vise un public assez éclectique dans le monde entier, surtout les Marocains, les ressortissants marocains qui vivent à l'étranger et aussi les Marocains qui vivent au Maroc. Je la souhaite toujours inspirante. Je reçois des personnalités, je reçois des compétences du monde entier et souvent, c'est des sujets qui sont assez intéressants et qui parlent aux gens. Et aussi, depuis quelques mois, je suis la présidente du groupe Multiservices International.ca. Nous faisons de l'import-export et nous faisons aussi de la production médiatique et de transport. Et nous spécialisons dans beaucoup d'autres domaines. Il y a quand même 15 entreprises sous ce groupe. Très bonne question. En ce qui concerne les obstacles auxquels nous pouvons faire face dans notre processus d'immigration et d'installation et d'intégration aussi, sont toujours d'ordre social, économique et cette reconnaissance de nos diplômes surtout, que nous ne trouvons pas dès notre arrivée. Mais heureusement que nous venons du Maroc. Pourquoi? Parce que au Maroc, on nous a inculqué beaucoup de valeurs, notamment la patience, la résilience, le travail et aussi la persévérance. En arrivant ici, en arrivant au Canada, je croyais que tout allait être rose, que tout allait être facile. Il faut dire qu'il faut y aller à l'huile de coude et ce que j'appelle l'intégration intelligente par le travail. Oui, nous venons d'un beau pays. Oui, nous avons choisi d'immigrer. Mais en même temps, il faut assurer une bonne intégration, une intégration qui va pouvoir conserver nos valeurs dans nos cœurs, mais en même temps, qui va pouvoir nous permettre de respecter les valeurs de l'environnement dans lequel nous vivons. À vrai dire, il n'y a pas de stratégie hors normes ou de compétences que d'autres ne puissent pas avoir ou de formules magiques pour réussir une belle intégration dans un pays d'accueil et aussi pour être peut-être, entre guillemets, un modèle inspirant pour d'autres. Il y a uniquement le travail. Et je le dis toujours, si le travail ne vient pas vers nous, eh bien, créons-le. Créons-le et faisons en sorte que ce que nous avons créé voit le jour, il continue. La pérennité
des projets que l'on crée dépend de nous, dépend de ces aspirations qui doivent être réalistes et réellement réalisables. Parce que nous avons beau rêver et bâtir des châteaux de cartes, mais tout peut s'effondrer facilement et rapidement si nous ne sommes pas une force de proposition dans le pays dans lequel nous vivons. Deux, si nous n'avons pas ce courage de se lever chaque matin et de se dire aujourd'hui, je pense que je vais faire mieux qu'hier. Pas de secret. C'est simple. Il faut travailler. Il faut croire en soi. Il faut avoir une grande estime de soi. Ici, on travaille beaucoup, beaucoup sur l'estime de soi en tant qu'entrepreneur ou en tant que professionnel. J'aime bien toujours, toujours ramener cet aspect d'estime de soi parce que si l'on ne croit pas en nous, rien ne sera réalisé. Certes, le 8 mars est une belle date inscrite sur un calendrier, mais j'y vois au-delà d'un simple chiffre et d'un simple mois de l'année. La femme dans le monde a toujours été pionnière dans différents domaines. Nous venons d'une belle culture, qui est la culture arabe. Nous savons qu'il y a eu des femmes pionnières. La première femme à avoir instauré un système universitaire, c'est une femme au Maroc. Il y a eu des femmes pionnières dans les sciences, dans l'art, tout ce qui est culturel, des femmes pionnières dans différents domaines. Et pour moi, oui, c'est une date à fêter. Hein, c'est la journée quand même internationale des femmes, mais j'ai toujours une pensée pour ces femmes qui ont mené le lead dans différents domaines, partout dans le monde, hein, en passant aussi par les suffragettes au Royaume-Uni, par ces femmes qui ont brisé beaucoup de tabous pour exister. Aujourd'hui, je pense et je suis heureuse d'incarner peut-être pour d'autres cette femme qui est libre de sa pensée et libre de ses actions tout en respectant l'autre moitié. Nous ne pouvons pas exister sans nos hommes et eux ne peuvent pas exister sans nous. Et donc, il y a cette belle corrélation que je trouve toujours, hein. Il y a toujours ce pont que l'on bâtit. Et qui est celui du respect. Si je viens aujourd'hui pour parler de l'égalité entre hommes-femmes, je ne peux pas occulter cet aspect que j'ai toujours, dans lequel j'ai baigné depuis toute petite. Il faut dire que, et heureusement, je viens d'une famille dans laquelle tout le monde et surtout les femmes sont respectées énormément. On leur donne leur chance pour faire des études, on leur donne leur chance pour aller s'épanouir professionnellement et même personnellement. J'ai grandi avec une maman qui travaillait toujours, une tante qui travaillait toujours, une grande cousine qui avait une belle carrière et toutes ces femmes ont été pionnières dans un domaine. Je peux vous dire que, et j'ai toujours été fière de le mentionner, ma maman a été parmi les premières femmes chefs de service au Maroc. Ce n'est pas quelque chose qui était commune à la femme marocaine. Toutes les femmes marocaines n'avaient pas cette chance d'avoir fait des études et d'être peut-être sortie faire des formations à l'extérieur, et je vous parle des années 60, des années 70. Il y a beaucoup à faire dans ce sens. Il y a énormément, énormément de lois
qui doivent peut-être être modifiées. Je ne parle pas d'un changement radical de la loi, je parle uniquement d'une modification pour suivre un petit peu le développement sociétal dans lequel nous vivons. Il y a des projets, il y a des propositions, il y a des femmes qui se battent au quotidien pour justement que la femme rurale et que la femme citadine vivent dans presque les mêmes conditions et qu'elles aient les mêmes chances. Je parle du Maroc. Là, je vais parler du Canada. Il faut dire que la liberté au féminin, elle est ressentie. Beaucoup de femmes sont des leaders dans différents domaines. Au Canada, il y a vraiment un grand épanouissement, mais il y a beaucoup de choses encore à faire concernant les salaires, l'égalité des salaires et quelques lois qui doivent être modifiées concernant surtout la sécurité des femmes. Et comme je l'ai dit, je ne me suis jamais sentie opprimée. Je n'ai jamais senti que ma voix était étouffée ou que j'étais muselée en tant que femme. Bien au contraire. Je le vis bien. Je vis ma féminité personnellement et professionnellement de la meilleure des façons que l'on puisse la vivre. Si l'on ouvre cette vanne et que l'on soit obligé de discuter autour des défis que vivent les femmes marocaines et aussi les femmes canadiennes, il nous faut peut-être beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir analyser et étudier les deux sociétés, que ce soit la marocaine ou la canadienne, et pour savoir quels sont les points forts et les points faibles. Justement pour que cette chaîne soit solide. Il y a beaucoup de maillons faibles, évidemment, dans les deux sociétés. Nous n'allons pas mentir et dire que non, tout est beau et puis tout a été fait et réglé comme du papier à musique. Absolument pas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Par exemple, pour le Maroc, je parle de certaines lois qui doivent être lourdement modifiées, surtout en ce qui concerne le divorce, l'héritage peut-être légèrement, et aussi l'égalité des salaires et l'égalité des chances dans plusieurs domaines. Ici au Canada aussi. Heureusement que j'ai cette double culture qui me permet d'avoir un œil sur les deux côtés, du côté de mon pays et du côté de mon deuxième pays, le Canada. Je peux vous dire qu'il y a encore des défis à relever. Oui, les femmes sont des guerrières, mais il y a encore du pain sur la planche. Un message positif, bien sûr. Alors, moi, ce que je veux toujours dire aux femmes, aux jeunes filles, qu'elles soient marocaines, canadiennes, toutes les filles du monde, la femme ou la jeune fille, même à la maison, elle a tendance à s'occuper de tout le monde. Elle s'occupe de son frère, de sa petite sœur, de sa maman, de ses amis. Nous, aux femmes, on s'occupe de nos enfants, de nos conjoints, de nos maisons. On est aux petits soins avec tout le monde, mais on a tendance à nous oublier. Alors moi, mon message est simple. Il faut veiller aussi à son épanouissement personnel. Il faut aussi se réveiller le matin et se dire, je suis belle, je suis bonne et je suis capable. C'est une phrase que m'avait apprise une amie québécoise. Dès que je suis arrivée au Québec, elle m'a dit ces trois petites phrases et j'y crois jusqu'à présent. Franchement, quand je me réveille le matin, je me dis, Selma, tu es capable. Et c'est comme ça que la persévérance ne m'a jamais quittée et la foi en moi ne m'a jamais quittée. Donc, ce que je dirais aux jeunes filles marocaines et même du monde entier, je leur dirais, croyez en vous et prenez soin de vous. C'est la meilleure des choses à faire pour être épanoui et pour pouvoir donner.